À Dahari, au fin fond du désert du Sahel, sévissait une sécheresse dramatique. Désarmés face à cette nature hostile, les villageois implorèrent les dieux de faire tomber la pluie. En échange, ces derniers exigèrent le sacrifice de la plus jolie jeune fille du village, Fatima. Tout le monde l'aimait, l'admirait, mais les dieux furent intransigeants. Alors, les marabouts ensablèrent Fatima vivante. La légende raconte qu'avant son dernier soupir, la belle réussit à sortir sa main du sable, faisant aussitôt tomber la pluie tant espérée. Depuis, les cinq doigts de la main de Fatima dominent Dahari et la brousse tout entière. Aujourd'hui, la main de Fatima incarne l'âme minérale du Mali, dressée au cœur du massif du Haut-Gourma. Grimper cette montagne divine, c'est l'objectif de Daniel Dulac, Guy Habert, Lionel Castoyanis, Stéphane Dan et Vieux, le chauffeur malien et son inséparable 4x4. Parti de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, l'équipe fait maintenant route vers le nord, direction Tombouctou, au Mali. Bercé par les chaos de la piste, chacun mesure le fossé qui sépare leur mode de vie à l'occidental et la quasi-survie des habitants du Sahel. Cardan. Voilà, c'est ça qui fait. C'est quoi qui est gâté, vieux? C'est ça. Ça, c'est l'arbre. J'ai un système, je le faisais avant. Si j'ai un pan de ça, comme ça en brousse, je mets ça dans le feu. Et je chauffe jusqu'à ça va être très rouge. Et si ça devient rouge, je mets un point ici, un boulon, et je tape. Si je tape, ça se gonfle. Et comme ça, ça s'emboîte bien. Loin de tout, l'équipe doit improviser. Compter aussi sur l'ingéniosité de vieux. Se débrouiller seul, s'adapter à l'environnement. Un voyage initiatique au cœur de l'Afrique commence pour Daniel et ses compagnons. Avec ça, ça c'est bien. Hein? Ouais. C'est bon, vieux? Ouais, c'est très bon. Très, très bon. Les plateaux de grès se dressent à perte de vue. L'horizontalité du désert se heurte à la verticalité des falaises. Des kilomètres de parois jamais escaladées se dessinent sous les yeux de l'équipe. La culture du mil, mais aussi l'élevage et le troc, sont encore les principales ressources des nombreuses ethnies qui se côtoient dans la boucle du fleuve Niger. Autant de richesses inestimables qu'elles ont su arracher à la terre aride. Sur le marché de Boni, au bord de l'unique route qui traverse le Mali d'est en ouest, l'activité est débordante. C'est une étape incontournable pour les voyageurs. Nourriture, eau, matériel, l'ultime ravitaillement avant d'aller affronter les parois vertigineuses de la main de Fatima. En 1997, sur le petit doigt de la main de Fatima, le Kagapamari, des grimpeurs américains ont équipé une nouvelle voie d'escalade à partir du sommet. D'une extrême difficulté, elle est baptisée l'Armatan Rodeo,
du nom de ce vent du désert qui balaie en permanence les 450 mètres de la paroi. Aujourd'hui, Daniel Dulac veut réussir là où l'équipe américaine et d'autres grimpeurs chevronnés ont échoué. Enchaîner en libre ce pilier vertigineux, c'est-à-dire grimper la voie uniquement à l'aide du rocher, sans tomber et dans la journée. Les 40 degrés ambiants obligent les grimpeurs à une longue acclimatation. Ils doivent s'accoutumer au rythme africain, s'habituer à la chaleur et s'entraîner à grimper ce rocher si particulier. C'est une escalade exigeante, technique, à la fois physique dans le bas, alors que c'est un petit peu plus facile, mais des grosses fissures, il faut mettre ses protections, parce que là, ils ont laissé un équipement amovible, donc il faut que le grimpeur, quand il arrive, mette ses protections au fur et à mesure qu'il monte. Et ensuite, c'est une escalade très à doigts, donc très avec beaucoup de blocages de mouvements statiques. Et puis, il y a la chaleur, le vent qui souffle, il faut rester concentré. C'est une voie complète qui est très exigeante, ce qui fait que aujourd'hui elle n'a pas encore été grimpée en libre. Très sympa cette escalade. Je pense qu'au-dessus il y a d'autres blocs qui doivent être vraiment beaux. Tiens, regarde les petits. Ça y est, on leur a trouvé une occupation. Dans ces contrées arides, vivre est un luxe. Y voyager devient un art de vivre. Daniel et ses compagnons vivent cette expérience comme une remise en cause. Réapprendre la valeur du temps, la mesure des choses, le sens du partage et le sentiment d'humilité. Le groupe poursuit son acclimatation. Au fil des ascensions, il découvre les vestiges d'une civilisation ancestrale, un inestimable musée à ciel ouvert. Fuyant les dangers de la brousse, les animaux sauvages et les pillards, les télèmes et après eux les dogons et les peuls ont trouvé refuge dans ces falaises. Aujourd'hui, les rares visiteurs découvrent sur ces plateaux quasi inaccessibles des traces de leurs habitations et de leurs greniers à mille. Et pour venir là, niveau escalade, vous estimez à combien ? C'est pas que ce soit dur, mais c'est vraiment engagé. C'est exposé, la chute quoi. Est pas permise du tout, quoi. Je pense que c'était un grenier à mille. Ou simplement une cachette, ou un rangement, un placard, tout simplement. Une remise, disons. Une remise. Ou un micro-ondes, hein, ça va, regarde là, les boutons sont pourris, mais... Ah bon. Guidé par Guy Habert, spécialiste de la région depuis 15 ans, Daniel et ses seconds de cordée, Lionel et Fanfan, n'hésitent pas à s'engager sur des sentiers escarpés à la recherche d'anciens passages oubliés. En fait, le Mali s'est trouvé naturellement sur mon parcours de voyageur. Et ce qui m'a séduit ici, c'est surtout les paysages, le côté sauvage, les gens. Ça fait maintenant le 14e voyage que je fais ici. Et
Je trouve ça très attachant, surtout pour un grimpeur comme moi. Quand je vois ces hautes falaises là, ça fait rêver quoi. Maintenant, que ce soit Dagana, Tahabi, dans le Diondé, dans un petit peu de partout, chaque sommet a des sentiers secrets, quoi. C'est vrai qu'il faut aller doucement, aller voir les gens, discuter avec les chefs de village. Et puis, petit à petit, les langues se délient et on arrive à avoir quelques renseignements, mais ils ne les donnent pas facilement, en fait. Chaque voyage, moi, j'essaie de trouver des nouveaux itinéraires. C'est long, c'est souvent pénible, les approches. Des fois, ça passe et c'est vraiment souvent des grandes surprises et de découvrir ces sentiers. Et souvent, ben, ça arrive aussi, ça passe pas et c'est comme ça. C'est ici, chaque découverte, ben, faut les gagner. Qu'est-ce qu'il a trouvé, le Lionel? Ah, ça débouche. Ah, super. Ouais. Un peu de ramping. Ouais. Là, c'est plutôt du serpenting, donc. Serpenting. Hey, il y a des greniers à mille. Encore. Regarde. Ah ouais. Vu ? C'est incroyable, il venait se mettre. Hein. Regarde cette vue, là. Regarde, t'as l'horizon à 180 degrés. Dans l'équipe, chacun a sa spécialité. Fanfan, passionné de géologie, partage ses connaissances sur les cristaux au sommet du plateau. Du rose au vert en passant par le blanc. Les galets de quartz ou d'autres minéraux, mais qu'on retrouve en majorité en surface. On ne les retrouve pas trop dans les faces, on les retrouve à la surface de chaque sommet parce que tous ces sommets ont été formés par des alluvions. Ça a été donc des fleuves qui ont transporté du sable qui s'est déposé. D'où les galets. Voilà. Et les galets ont été transportés après, en surface, déposés en surface, et on les retrouve à la surface de tous les sommets et en bas dans les vallées. Ouais. Parce que ça s'est érodé et reste uniquement ce qui est plus dur. Ah, voilà, là on se croit au bord de la mer. Plage de galets. Tu vois? Ah oui. Vous allez halluciner, il y a un grenier là. C'est pas vrai. De toute façon, c'est pas grand chose par rapport au truc où on était tout à l'heure. Hein. Ouais, et vu d'autant plus que peut-être qu'ils viennent du haut, tu vois. Ah oh, putain, ouais. Et là, ils sont à l'ombre et tout, je te dis pas. Comme ils sont bien. Allez, Anna. Ah. Hébard, Lionel.
Excuse-moi. Ça sort. Je vois pas de dessin. Il y avait une lampe pour jeter un œil dans le grenier, là? Ouais, il y a une lampe. Prends ta dans le sac. Et là, pire que à homme aussi. Putain, c'est dément, il y a un plancher dedans. Quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est dément. Par contre, il y a le beau de chauve-souris. Quoi. Oh putain, il y a 12 millions, regarde ça. Ah ouais, ouais. Ces plateaux, véritables forteresses naturelles, ont permis au village Peul et Dogon d'échapper aux razzias orchestrées par les armées d'occupation marocaines puis françaises. Dans les années 20, l'histoire raconte qu'un traître a guidé des soldats français sur le chemin d'accès d'un de ces villages suspendus. Tous sont morts en tentant de faire sauter le passage à la dynamite. Ça a l'air d'être par là. Maîtriser l'art de l'opposition. Ça grince un peu. Sentier de vie, sentier de peur, les Maliens ont toujours pratiqué l'escalade. Parfois pour aller simplement chercher des œufs de vautour. Mais certaines de leurs prouesses demeurent inexpliquées, comme leur ascension avérée du plus haut doigt de la main de Fatima. Persuadé d'être le premier au sommet, le guide français Alain Pujos a eu la drôle de surprise en 1978 d'y découvrir d'authentiques poteries abandonnées par ces grimpeurs d'un autre temps. Le soleil, la chaleur harassante, le sable qui dessèche les yeux, la déshydratation qui affaiblit le corps, le Mali a de quoi repousser les meilleures volontés. Les longues marches permettent à l'équipe de s'habituer à l'effort, et surtout au manque d'eau qui suscite une inquiétude permanente. Après 2 heures sans boire, l'homme entre dans une zone de la mort où il perd progressivement sa lucidité. Chaque année, une cinquantaine de grimpeurs viennent ici. Le chef du village, Amadou Gorom Tamboura, leur demande donc une contribution pour l'eau. Cet argent sert à réparer la pompe en cas de panne. La survie des habitants en dépend. Ah, bismillah. Bismillah. Vous êtes les bienvenus. Bismillah, bismillah. Soyez les bienvenus. Bismillah. C'est vrai que si les gens ils peuvent donner comme ils veulent, participer. Bien sûr. En plus, ils vont donner. Et ça permettra peut-être même de faire une deuxième pompe ou un puits. Non, non, mais c'est bien. Ce qu'il disait. Une piscine. Ouais. Piscine. À Marseille. Ouverte. Hein. Piscine ouverte parce que ça caille. Hein? Après plusieurs jours de préparation, l'équipe s'est enfin acclimatée à la rigueur africaine. Il est temps de se concentrer sur le but du voyage, l'ascension d'Armata en rodéo. Deux types de matos, il y a le matos qui sert à la progression, à grimper, donc les dégaines indispensables. Là, des freehands hein, qui servent à grimper en fissure pour se protéger quand les fissures ne sont pas équipées. Et puis après, il y a tout le matos bon perso, hein, les jumards, les chaussons, les baudriers, les sangles, mousquetons à vis qu'il nous faut personnellement. Et puis ben, des cordes, beaucoup de cordes statiques, dynamiques, qui sont dehors. De la sangle. Ouais, j'avais peur qu'on soit ric-rac pour ranger le matos, mais en fait on n'a pas grand chose du coup. Mais on a le. Ouais, on a juste ce qu'il faut, quoi. Ouais, on a juste ce qu'il faut, deux jeux de dégaines, des muscipliques. Pour cette première en escalade libre, Daniel s'est entouré de solides compagnons, des copains guides, excellents grimpeurs, tous suffisamment rustiques pour supporter ce genre de voyage. Mais à la veille de la première tentative, Lionel souffre de dysenterie. C'est donc Fanfan qui secondera Daniel pour affronter Armata en rodéo.
Objectif pour le tandem, déchiffrer chaque passage clé et jauger le niveau de difficulté de la voie sur une échelle qui va jusqu'à 9A. Harmattan Rodeo, c'est une voie très difficile. Le niveau de difficulté oscille entre le 7A et le 8A, grosso modo, sur une quinzaine de longueurs, donc c'est long. Ça prend la journée pour espérer arriver en haut, en partant au petit jour. Et puis surtout, ce qui est complètement incroyable et difficile vraiment, c'est qu'on a très chaud. Il fait 35 degrés à l'ombre, il y a le vent qui te dessèche, il y a un air très sec qui est là, et s'il y a trop de vent d'ailleurs, on ne peut même pas grimper, il y a des rafales à plus de 100 km/h, c'est même pas la peine de commencer à grimper dans ces conditions-là. Donc le vent, combiné avec la chaleur du soleil, c'est une vraie machine à lyophiliser, en très très peu de temps, on se déshydrate complètement, et c'est ça vraiment le principal, à la fois danger et à la fois obstacle à réussir ce genre de voie. Les pieds et t'es sorti d'affaire. Voilà, ça y est. C'est la cotation de terreur, ça s'appelle. Cotation de terreur, ouais, c'est une grosse fissure en crise. C'est terreur soupe. Terreur soupe. Oh, c'est une vilaine fissure. Oh. C'est dur. On fougne du début à la fin, quoi. Pour moi, c'est 7B, quoi. Ah ouais. Hein? Ouais, putain. Tu me rassures. Moi aussi, rassure-moi. Le moment que ça arrive, quoi, voilà. Et ça fait chier. Et le pied très zippé, le doigt qui est resté dans le mousqueton. Résultat des courses, c'est pas voilà. Après cette première tentative, l'équipe réalise que 2 secondes de cordée ne sont pas de trop. Blessures imprévues, problèmes de dysenterie, la patience n'est pas une qualité, mais une nécessité. Ici encore plus qu'ailleurs. T'as pas l'air de les inquiéter, hein, l'eau. Bon. Thank you.
retour au village pour s'approvisionner en eau. Rare, souvent insalubre, qu'importe. Au Sahel, elle est synonyme de vie. Accompagnés des enfants, les villageois se pressent autour des puits, s'y rencontrent, palabrent, et chacun se relaie pour extraire le précieux liquide. Économiser l'eau a beau être une évidence, Fanfan s'obstine à rincer sa brosse à dents. Décidément, certains réflexes sont difficiles à perdre. La curiosité des enfants, les rencontres avec les villageois, la partie de chasse à la perdrix échangée avec le chef du village, des liens nouveaux, improbables, se tissent spontanément. Daniel et ses compagnons sont même invités à un mariage. Une hospitalité incroyable qui transcende les différences. Des moments de détente bienvenus avant l'escalade finale. Merci. Lionel est de nouveau sur pied pour seconder Daniel. Parti à 6h moins le quart, petit jour. Les deux hommes se connaissent bien. Ils grimpaient déjà ensemble en équipe de France Junior. Cette ascension extrême soude la cordée, indéfectible, prête à surmonter la soif, la chaleur et la souffrance pour atteindre le sommet. Armatan Rodéo est technique et exigeante. Chaque longueur a ses difficultés, ses pièges. Même les passages les plus simples, côté 7A, sont éprouvants.
Des prises de pied peuvent casser. Il faut aussi placer les protections dans les fissures non équipées. Le but du jeu est de grimper sans chuter. La voie ne sera donc réussie que si chaque longueur a été enchaînée. Vainqueur de la Coupe du Monde, champion d'Europe d'escalade de bloc, Daniel Dulac a déjà prouvé son talent en compétition. Passionné de grimpe, il est un homme de défi. La réussite d'une voie comme Harmattan Rodéo représente pour lui la quintessence de l'escalade. Elle soit nickel, parce que si je veux pas te faire une blague pendant que t'es en train de faire la croix. Allez, comme ça, ça devrait être mieux. C'est bon, j'ai les mouvements dans la tête. Cool. L'escalade. Ok Lionel, quand tu veux. C'est rando ce truc. Là c'est même pas permis, t'as les pieds à plat quoi. Allez, on va faire un peu d'escalade. Qu'est-ce que je fais là? Putain, j'ai l'impression de faire une séance de poutre. Putain. Ah ben voilà, ben, s'il y a du soleil et qu'on voit pas les prises en plus. C'est vrai que le soleil il éblouit pile dans l'axe des prises quoi. Ah ouais, non, mais sans le soleil, ça serait rando, quoi. Ouais, bien sûr, c'est le malin. Et la sardine, elle a bouché le port de Marseille, hein. Longueur de transition. On repassera, oui. Allez.
petite moue. J'ai failli me la coller là. Benduga. Section là, pas facile. Pas de la rigolade. Non, non. Ok, relais. Je me décale, Lionel. Bon, c'est pas très commode. Hein. Oh non, putain, non. Ah ouais, il y a du gaz là. Houhouhou. Et c'est pas fini après, hein. Ouais, tu m'étonnes. Combien il reste de longueur? Longueur en 7C, juste là, pas très longue. Après, il y a un 7A+, pas facile. Un 7B et le 7C+, pour arriver à la lire. Oh! Une réglette cachée. T'as vu le gaz? Ben oui, hein. Ça. J'ai faim. Mange, hein, ouais, je vais manger des cacahuètes et des pistaches et des amandes. Yes. 10 heures d'effort pour venir à bout de ce pilier redoutable. 10 heures d'ascension pendant lesquelles le baudrier cisaille les hanches. 10 heures d'intense concentration pour Daniel, le grimpeur de tête. Il faut trouver le mouvement juste pour économiser ses forces. Boire sans cesse pour éviter les crampes. 10 heures de plaisir, 10 heures de grimpe exceptionnelle. Et au sommet, une immense satisfaction. Gagner.
Nickel. Oh, il y a du guano là. Ah, c'est bon signe. Guano égale vire. Ouais. Ah, je vois le relais. Encore 5 mètres. J'arrive au relais. Plus personne là. Il faut juste encore rester un peu concentré pour la redescente et puis 4 jours de repos, 4. Et de l'eau, à bloc de l'eau. Hein. Yes. Je me suis pas servi de ma copine. Hey. Alors là, champion du monde. Un grand, grand bravo. Côté gauche, tu te souviens comme ça avait comme ça ouais. Chaud. Ah, c'est incroyable la différence. Et dès qu'on passait à droite, c'était incroyable. Bon. Incroyable. Ça fait du bien là... cette longueur. Hein. Ça là tout à l'ombre. C'est bien, il y a de l'air, mais c'est vraiment une machine à dessécher quoi. La longueur clé là, mi-ombre, mi-soleil. Ah mais là, enchaîner toutes les longueurs, autant les longueurs elles sont grimpables. Même j'étais assez surpris, je pensais que ce serait encore plus dur. Par contre, les enchaîner, c'est mutant. Là je suis mort hein. Ah ouais, moi aussi je suis rôti, regarde ça. J'ai les doigts complètement lustrés par le rocher. Et encore quoi. Heureusement que c'est du grès hein. Ouais. Ça serait du calcaire avec des picots ou du granit. On n'aurait plus de peau là. J'ai mal aux pieds. Allez viens, on va au sommet. Ouais. Thank you.
Moi, je suis plus lourd. Je tourne dans les mariages, je suis comme ça.